Voici le paquet que vous attendiez, Madame Aguas. Et Monsieur le maire et sa famille sont déjà partis. Même en direct à Población Ardiente pour assister au mariage royal du maire Arnaldo Ardiente Torrio et de mademoiselle Ivy Aguas. Très chers amis, le mariage est sur le point de commencer. Veuillez vous asseoir, merci d'être venus. Les gens se rassemblent rapidement en dehors de la salle. La police et l'armée sont également pleinement impliquées pour assurer la sécurité de tous. Les caméras sont en place. Voilà pour vous. Vous désirez autre chose ? Aizen, Aizen ! Quoi ? Regarde ça ! Alors ne zappez pas, le mariage royal est sur le point de commencer. Ouais ! On va regarder le mariage royal ! Quoi, ça commence ? Oui, le mariage royal des Ardiente. On entre. Bonjour, mes chers amis. Je suis en position. Je vais faire en sorte que personne ne puisse déranger tes plans, Ivy. Personne, pas même les Ardiente eux-mêmes. Relax, Arnaldo. Rien ne peut empêcher votre mariage, tu m'entends ? Ivy est en retard. Et si elle... Et si elle n'arrivait jamais ? Mon fils, calme-toi. Calme-toi. Elle va arriver. Chipoy. Je peux savoir ce que tu fais là? Tu sais très bien ce que je fais ici, je vais arrêter le mariage. Et j'arrêterai quiconque me gênera, y compris toi, Diego.
Laisse-moi tranquille. J-Boy, ce n'est pas le bon moment pour toi d'intervenir. Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait rien, c'est ça? On les laisse se marier tranquille? On s'en tient au plan d'Ivy. Et qu'est-ce que tu sais des plans d'Ivy? J'en sais assez. Excuse-moi, papa, je dois passer un appel. Ne sois pas trop longue. Vous êtes en position? Oui, madame, je suis en position. Prête à tirer quand la mariée arrivera. Ok. Surtout, n'oubliez pas. Assurez-vous bien qu'Ivy Aguas n'entre jamais vivante dans l'église. Est-ce clair? Ton assassin est désormais hors d'état de nuire, Emilia. Diego? Alors, Diego, si tu penses que je n'ai embauché qu'un seul tireur d'élite pour ça... Sois certain que tu te trompes. Si Ivy Aguas arrive à entrer vivante dans l'église pour ce mariage, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle en sortira indemne? Quoi? Tu veux faire assassiner Ivy? S'il te plaît, Raoul, reste en dehors de tout ça. Reste en dehors de tout ça, tu dis? Si ton père découvre ça, il sera furieux. Il veut que ce mariage ait lieu, d'accord? Non! Ivy Aguas doit mourir! Raoul, elle va me remplacer dans cette famille et tu vas finir par comprendre? Mais si tu détruis la vie d'Arnaldo? Il surmontera ce chagrin d'amour, exactement comme tout le monde. Et qui va l'aider sinon sa propre mère? Souviens-toi, Raoul. J'ai surmonté le chagrin d'amour le plus douloureux de ma vie, en étouffant mes sentiments pour toi. Ah, t'as plus de sentiments pour moi? Tu es sûre de ça? Ça suffit, Raoul, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai une épouse à tuer, alors si tu veux bien m'excuser. Il y a d'autres tueurs? Je crois. Mais combien? Ça, j'en sais rien. J-Boy. Va à l'intérieur, je vais gérer ça. Dépêche-toi, je te rejoins. D'accord. Mesdames et messieurs, la mariée arrive. Alors puis-je vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir aller tout d'abord à l'intérieur afin que nous puissions commencer la cérémonie? D'accord, très bien. D'abord, allons à l'intérieur, madame. Allons à l'intérieur, d'accord? Elle arrive! Ouais! Ivy! Regardez! Ivy! Ivy! Allons à l'intérieur afin que nous puissions commencer. J'ai besoin que vous entriez à l'intérieur, s'il vous plaît, tout le monde. Grand-père. Ta future femme est ici, ok? Allons-y, grand-père. D'accord, les témoins. Ici, s'il vous plaît. D'accord. Restez en ligne. Oh oui. Je vous remercie. D'accord, merci. Madame Claire.
Oui, oui, je porte bien du noir. Parce que le noir est la seule couleur qui convienne pour cette occasion. Est-ce que je t'ai surpris ou pas? La tradition n'a jamais été ton fort. Allons-y. Papa. Regarde comme Ivy Aguas nous manque de respect. Je ne peux pas la laisser faire ça à notre famille, c'est pas possible. Mais je me contrefous pas mal de savoir si elle est venue ici en noir. Rose, rouge, ou si elle ne porte rien d'autre que ce collier qu'elle a au cou. La seule et unique chose qui compte pour moi, c'est qu'elle soit venue et qu'elle se marie avec Arnaldo. Et dans très peu de temps, elle sera une Ardiente. Maintenant, si elle a en tête de faire quelque chose de mauvais, elle souffrira comme toutes les personnes qui ont cherché à nous faire du tort. À bien y regarder, cette robe noire lui va très bien, je trouve. Tu as raison, elle lui va très bien. C'est parfait pour ce qu'il va lui arriver plus tard.